Si dans les 5,46 prochaines secondes, tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à la chaîne YouTube, tu ne pourras jamais récupérer la nouvelle émote gratuite TikTok sur ton compte Fortnite. Donc abonne-toi vite à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de risques et la récupérer. La Team Burger, vous l'avez vu au titre et la miniature de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle émote qui va être totalement gratuite, qui va être une émote qui va tout simplement s'appeler TikTok. Je vais vous expliquer quand est-ce qu'on va pouvoir la récupérer. Il y a aussi des V-Bucks qui va être attribué avec cette émote. On a vraiment pas mal d'informations à propos de ce sujet-là. Et tout simplement, les personnes qui regarderont cette vidéo au complet, vous allez être sûr à 100% de la récupérer les modes, car c'est très simple, j'ai tout vous informer à propos de ce sujet là. Du coup, je vous conseille réellement de rester tout le complet de la vidéo pour bien tout comprendre. Du coup, la Team Burger, on va directement commencer cette vidéo avec la première information qui est vraiment une information très intéressante pour les personnes qui ont joué tout simplement à des jeux sur mobile ou même à Clash Royale ou à Clash of Clans. Vous le savez, sur Clash Royale et Clash of Clans, on peut créer des clans tout simplement, et à l'heure actuelle sur Fortnite, on peut pas créer des clans ou autres ni des groupes. Et bah là, tout simplement, dans la prochaine mise à jour, donc ce sera soit pour la prochaine mise à jour qui va être la dernière avant la saison 2, soit ce sera pour la mise à jour de la saison 2 en question, on va pouvoir créer des groupes sur Fortnite. Donc ça va vraiment être un truc de fou, et tout simplement on pourra rejoindre des groupes etc de Fortnite. Donc je sais pas si on pourra en rejoindre plusieurs, on pourra en tout cas créer des groupes, discuter via des groupes et voir notre groupe. Donc il y aura plusieurs catégories, ça risque d'être amélioré par la suite. On peut rechercher aussi des groupes, inviter des gens, et on voit qu'il y a marqué application. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses avec ça. On va pouvoir peut-être parler tout simplement à nos coéquipiers pour voir vocal avec des gens. Ça risque vraiment d'être intéressant, et on voit que Fortnite essaye de se diversifier. Fortnite c'est plus qu'un battle royale. Maintenant il y a du mode créatif, il y a du mode sauver le monde, car tout simplement il va bientôt passer gratuit en plus de ça. Et en plus de ça, il crée des groupes vocaux, des groupes pour discuter entre amis. Donc Fortnite essaye vraiment de créer en ce moment une grande plateforme de jeu. Et je pense que par la suite, dans l'année 2020, on va pouvoir voir arriver plein de modes de jeu. Et c'est pour ça qu'Epic Games, entre guillemets, il crée des fonctions de groupe. Comme ça, tout simplement, tu rejoins ton groupe, tu peux parler à ton ami en vocal, tu peux lui envoyer des messages, et tu peux jouer au jeu que tu veux sur la plateforme Epic Games. C'est ça qui est incroyable. Dis-toi que tu rejoins le groupe avec tes amis, tu peux écrire des messages dedans, tu peux vocal avec tes amis dans le groupe en question. Et ensuite de ça, imaginons que tu peux aller jouer à des jeux comme le créatif, le battle royale ou plein d'autres modes de jeu qui risquent d'arriver par la suite dans l'année 2020. Donc on voit qu'Epic Games essaye vraiment de s'étendre, et c'est vraiment très intéressant à surveiller de très près. Et dès qu'on a des informations, ne vous inquiétez pas, je serai le premier à vous tenir au courant. Désormais, en plus ça, les potes, c'est très important, il faut se dépêcher les potes, car le skin Ninja sort de la boutique ce soir. Donc il reviendra forcément pendant l'année 2020, mais il sort officiellement de la boutique ce soir. N'hésitez pas à aller checker dans mon Instagram, il y a tout simplement des skins Ninja à gagner. Donc si vous voulez gagner un petit skin Ninja, toutes les conditions sont sur mon Instagram en description. Et tout simplement, le skin sort ce soir de la boutique, donc il ne sera plus disponible. Donc n'hésitez pas à l'acheter. C'était en tout cas le premier skin icône series que Fortnite avait fait avec un youtubeur streamer. Et tout simplement, on risque d'en avoir d'autres par la suite, comme Tefu. Il y a un petit concept qui a été fait autour du skin de Tefu, vous devez forcément le connaître. C'est un grand streamer qui est très connu en Amérique. Et tout simplement, je sais pas d'ailleurs s'il est américain, je veux pas dire de bêtises, mais je suis vraiment pas sûr. Donc tout simplement, le petit concept est le suivant. Donc il est vraiment très léger, hein. Il a juste fait un t-shirt rouge et un t-shirt gris. Mais pour les personnes qui connaissent Tefu, il est quand même très sympathique, ce petit concept. Et il y a tout simplement quelque chose qui m'a vraiment fait rire, les potes. Et quand je vais vous montrer, vous allez tout simplement pas me croire. C'est même moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était du fake. Je me suis dit, c'est impossible que ce soit vrai. Il y a tout simplement le compte officiel KFC Gaming qui a tweeté une image incroyable. Ça m'a vraiment fait rire. Je vous la montre en meilleure qualité. C'est tout simplement celle-ci. Alors, pour les personnes qui voient cette vidéo, il y en a qui doivent forcément connaître ce skin. Ce skin a été fait en saison 5. C'était un concept qui a été fait quand tout simplement le skin Joker était sorti. C'était quand il y avait encore la map avec Paradise Palm, etc. Et il y a tout simplement une personne qui avait fait un concept, qui a mis un espèce de bucket et qui avait fait de l'éclair autour du bucket et qui avait un peu colorié les mains en rouge. Donc ça faisait clairement un skin KFC, il était assez rigolo. Et là, il y a tout simplement des game designers au niveau de KFC, donc tous ceux qui s'occupent du compte Twitter de KFC, etc., le management derrière, etc. Ben, il y a quelqu'un qui a fait une petite image, il a mis le skin en PNG, il a mis Fortnite Icon Series, donc c'est rien d'officiel pour le moment, mais j'ai trouvé ça drôle. En plus de ça, c'est quand même le compte officiel de KFC qui a tweeté ça, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que dans le tweet, ils ont mis hashtag Icon Series, donc en mode clairement ils font un petit arrobase à Fortnite pour que Fortnite tombe là dessus ça m'étonnerait vraiment pas que Fortnite sont aussi tombés dessus, il y a eu énormément d'RT. Du coup, peut-être, on sait jamais, comme ça pendant l'année 2020 on pourrait voir un skin KFC arriver. Et ça m'étonnerait vraiment pas, les potes, car les chaînes de fast food en ce moment, il y a beaucoup de concurrence, que ce soit, je vais citer d'autres marques vu que j'ai cité KFC, que ce soit au niveau de Burger King, McDonald's, Quick, etc. Encore Quick, c'est pas trop dans l'actualité d'actuellement, mais il y a beaucoup de rivalité entre les grands fast food qu'on connaît, les chaînes de fast food actuelles. Du coup, ça m'étonnerait vraiment pas que du coup les chaînes de fast food se bataillent avec Fortnite pour avoir le premier partenariat. Et forcément, dites-vous que si KFC font un partenariat avec Fortnite, il y aura forcément un skin McDo par la suite et Burger King, c'est obligé. Mais en tout cas, si ça arrive, ce serait vraiment drôle voir que Fortnite a bien évolué. Et les potes, une dernière chose à vous présenter, tout simplement à vous de vous présenter les modes TikTok que vous allez pouvoir récupérer gratuitement avant de vous expliquer tout ça. J'ai tout simplement ce petit concept qui a pop tout simplement dans ma TL Twitter et je voulais quand même vous le présenter. Il est vraiment super sympathique. C'est tout simplement un skin qui réunit tout simplement la première carte du chapitre 1 de Fortnite. Vous pouvez voir qu'au milieu de son corps, il y a Loot Lake, en bas sur
sa jambe, il y a deux six dépôts, il y a la glace, il y a le désert, il y a tout simplement sur son bras, il y a de la lave sur l'autre bras, il y a tout simplement le restaurant Der Burger qu'on pourrait retrouver, son sac à dos, c'est la tête du grand monstre qui a été tué avec l'épée qui est restée à l'intérieur, c'est son sac à dos. Franchement, j'ai trouvé incroyable avec une variante un peu plus creepy en noir, donc vraiment noir gris comme si voilà, c'était la map s'était éteint. Donc franchement, je l'ai trouvé bien stylé ce concept et honnêtement, un concept aussi bien réalisé, il y en a pas tous les jours, c'est vraiment très rare. Les concepts, je dis pas que les autres concepts que je vous ai déjà présentés sont nuls, mais celui-ci, il a vraiment été détaillé à fond, il a vraiment été bien pensé et un skin comme ça, c'est sûr, allez les potes, je vous le dis à 99% que ce skin arrivera pendant l'année 2020. Il n'arrivera pas tout de suite forcément, mais il prendra forcément beaucoup de temps, le temps de le designer et tout, mais c'est 100% sûr qu'Epic Games feront un skin comme ça vu comment il a bien été réalisé. Du coup, désormais la Team Burger, je vais vous parler tout simplement de cette émote gratuite TikTok. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Et il n'y a pas qu'une émote, il y a aussi 250€ à récupérer gratuitement, soit la somme de tout simplement 25 000 V-Bucks. C'est pas rien, 25 000 V-Bucks. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous ne rêvez pas, Fortnite et TikTok ont fait un partenariat. Donc oui, c'est un truc de fou, voilà. Mais en réalité, c'est juste un réseau social, TikTok. Et ça m'étonnerait vraiment pas que Fortnite font un réseau social avec TikTok. Car Fortnite, qu'est-ce qui marche bien sur Fortnite? C'est tout simplement les danses. Ça veut vraiment une icône de Fortnite. Et sur TikTok, bah, c'est une application un peu de musique, de danse, etc. Où tu reproduis des gestuels. Voilà, c'est un peu une application un peu comme ça que je la vois, moi. Elle est vraiment catégorisée dans ce style-là. Et tout simplement, Fortnite et TikTok ont fait un petit partenariat. D'ailleurs, si vous démarrez Fortnite, vous pouvez aller voir dans l'émote royale, dans l'actualité. Donc, à l'heure où je fais la vidéo, je sais pas si c'est toujours disponible pour vous. Mais pour moi, tout simplement, c'est un screen de mon actu sur mon jeu que j'ai trouvé. Et ensuite de ça, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et je me suis rendu sur le site, tout simplement, de Fortnite. Donc, le site Fortnite Epic Games. Et je suis allé dans l'actualité. J'ai scrollé un peu sur la page. Et il y a tout simplement une rubrique qui a été faite par Fortnite pour nous expliquer l'espèce de petit concours qui a été fait, le petit partenariat entre Fortnite et TikTok. Du coup, je vais vous expliquer en bref en quoi ça consiste. Tout simplement, il faut passer sur l'application TikTok. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé l'application TikTok et je me suis rendu. Et dès que vous allez lancer l'application TikTok sur votre téléphone, quand vous allez aller sur découvrir la petite loupe en bas, vous allez tomber sur l'icône de Fortnite avec deux petits skins. Il faudra cliquer sur cette icône et en cliquant dessus, il y a tout simplement plein de TikTok. Voilà, plein de gens qui ont fait le petit concours. Et il y a tout simplement un petit descriptif comme quoi TikTok s'est associé avec Fortnite et pour trouver sa prochaine émote. Donc, tout simplement, Fortnite, pour trouver la prochaine émote qu'ils vont mettre dans le jeu, et bah, ils demandent à la communauté de la produire sur TikTok. C'est-à-dire que tu vas sur TikTok, poteau, tu fais ton petit TikTok avec la musique, etc. Tu fais ta danse et si tu es repéré par Fortnite avec le hashtag et tout qu'il faut remplir, et bah, ta danse sera mise sur le jeu et tu vas gagner 25 000 V-Bucks. C'est pas un truc de ouf, les potes, c'est un truc de dingue. Et ce qui est mieux encore, c'est que l'émote qui va gagner, du coup, la personne ou son émote, elle va gagner, cette émote sera distribuée à tous les joueurs de Fortnite, y compris sur le jeu, gratuitement. Ça va faire comme avec l'émote Boogie Woogie. Souvenez-vous, c'était un petit concours de base. La personne qui a gagné des V-Bucks, les personnes qui ont participé ont gagné des V-Bucks, etc. Donc c'était vraiment sympa de la part d'Epic Games. Et en plus de ça, tout simplement, et bah, sa danse était gratuite pour tout le monde. Dès que t'activais la 2F, donc c'est-à-dire la sécurité de ton compte sur Fortnite, la danse était gratuite pour toutes les personnes qui avaient activé la sécurité. Ça fonctionne encore à l'heure actuelle. Si t'actives la double authentification sur ton compte Fortnite dans les paramètres, et bah, tu vas tout simplement débloquer les modes Boogie Dome gratuitement. Donc c'est quand même super sympa qu'Epic Games donne une émote gratuite. Et là, ce sera la deuxième émote gratuite car tout simplement, ils te demandent de participer. Donc c'est franchement une bonne idée. Donc comme je l'ai déjà dit, il faut aller sur le site de Fortnite et aller dans la rubrique. Alors tout simplement, ils ont fait un petit pavé avec marqué comment faire. Bah, tout simplement, pour participer, il faut montrer les meilleurs pas de danse complets et originaux. Donc c'est d'ailleurs une danse qui n'existe toujours pas. Faut pas reproduire une danse qui existe déjà, sinon ça n'a aucun intérêt pour Epic Games de la mettre dans le jeu. Il faut ensuite partager tout simplement la danse qu'on a fait sur TikTok avec le hashtag Emote Royal Contest. Donc c'est le petit hashtag qu'on doit mettre dans la description. Et le gagnant, il deviendra tout simplement, enfin la danse du gagnant deviendra sur Fortnite. Ce sera une vraie danse, on pourra la jouer, etc. Ce sera un truc de fou. Et le gagnant recevra tout simplement 25 000 V-Bucks et un pack VIP. Alors je sais pas ce que c'est un pack VIP. N'hésitez pas à me dire, peut-être qu'il parle du sauver le monde, peut-être qu'il parle d'un skin exclusif. Mais en tout cas, un pack VIP, ça a l'air vraiment d'être incroyable. Les petites règles supplémentaires, les potes, pour participer, tout simplement, c'est qu'il faut avoir minimum 13 ans. Et il y a tout simplement des musiques à respecter. Il y a un pack de musique à télécharger. Donc je vous laisse aller sur le site de Fortnite. Et sur la petite page, il y aura tout simplement la petite page Emote Royale. Vous cliquez dessus et il y aura tout simplement un petit truc de musique à télécharger. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que Epic Games offre une deuxième émote. Donc elle ne sera pas disponible dès maintenant. Il faut attendre quelques semaines que le concours arrive jusqu'à la fin et que l'émote soit modélisée par Epic Games et qui nous la distribue. Mais une émote gratuite, ça fait plaisir. Donc si toi, si tu es heureux, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me faire savoir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Il y a une vidéo tous les jours d'actualité Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la chaîne, poteau. On n'oublie pas le code créateur pour un jumper dans la boutique. C'était pour la Team Burger. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye les potes.